Papa Bisou, fête Noël, de Karine Marie Amiot et Gérald Guerlet. Papa Ours a une grande nouvelle. Sur la place du marché, le Père Noël est arrivé dans un traîneau doré. « On peut y aller !» supplient les oursons tout excités. Papa Ours met son bonnet à grelots et dit « Enfilez un manteau, c'est parti !» Il neige. « Bonjour Père Noël !» lancent les oursons. « Tu as le même bonnet que mon papa !» dit fièrement Elena. Tout le monde s'installe dans le traîneau. Léo va prendre une photo. « Un sourire ! Le petit oiseau va sortir !» « Et maintenant, Papounet, on va trouver un sapin !» dit Célestin. Quel drôle de défilé ! Célestin marche bon train. Oscar imite la fanfare. Léo joue les costauds. Elena serre la main de papa. Gonzague raconte des blagues. Louison avale les flocons. Et bébé Lily chante à tue-tête dans la poussette. À la maison, Gonzague court chercher les décorations. Louison joue à la corde à sauter avec une guirlande de papier. Lily essaye de jongler avec les boules argentées. « Interdit au bébé !» hurle Oscar. « Tu vas tout casser !» Bébé Lily fait la tête, mais papa brandit une étoile. « Oh oh, il nous faudrait un géant pour l'accrocher tout en haut !» Bébé Lily a une idée. Elle grimpe sur les épaules de son papa. « Regardez, le géant, c'est moi ! Hip hip hip, hourra !» Puis les oursons s'installent sur la table du salon pour terminer leur lettre au Père Noël. Oscar rêve d'une guitare. Léo voudrait bien des Lego. Elena, une peluche koala. Gonzague, un robot qui fait les blagues. Célestin a un vélo tout-terrain. Louison, des crayons qui sentent bon. « Et moi ?» dit bébé Lily. « Je veux une poupée qui fait pipi !» Papa Ours, lui, ne sait pas encore. Il bâille un grand coup et dit « Oh Lily, demain c'est Noël !»« Mais non, Papounet !» s'écrient les oursons. « On a oublié de mettre nos petits chaussons devant la cheminée !» Cette nuit-là, tout le monde fait de jolis rêves. Et au petit matin, en passant le bout du nez par la porte du salon, Louison, Oscar, Elena, Gonzague, Célestin et Léo découvrent plein de cadeaux. « Mais où est passé bébé Lily ?» demande papa Ours encore endormi. Tout le monde appelle et cherche bébé Lily. Papa s'inquiète. Et soudain, d'un gros paquet, Lily sort sa tête. « Je sais !» s'écrie alors papa Ours. « Mon cadeau préféré, c'est de vous serrer tous à la fois dans mes bras. Comme ça !» Papa Ours sourit. « C'est le plus beau Noël de ma vie !» Avec ses 7 oursons, il est heureux. Il est même, c'est sûr, le plus heureux des papas.